Salut Internet, tu cherches une idée pour te détendre et rigoler un peu en ce mois d'avril? Alors laisse-moi te parler de ma roco avec la saga littéraire Le Bourbon Kid. Enfile ton holster, c'est parti. Alors c'est un mec qui rentre dans un bar, le tapioca, il commande un bourbon, le boit et se met à déglinguer tout le monde à coups de canoncier. Bienvenue à Santa Monica, la ville fictive la plus dangereuse du sud des États-Unis où se côtoient sociopathes, assassins, démons, envoyés divins, mais surtout le tueur en série le plus recherché et sanguinaire. Avec cette série littéraire, l'auteur anonyme a créé un univers généreux et d'une efficacité redoutable. On prend toujours autant de plaisir à suivre les délires sanglants du Bourbon Kid et toute la clique du tapioca à plomber du vampire, loup-garou et autres curés siphonnés. Avec une écriture aux références pulp, des dialogues ciselés et tordants, on est plongé dans une série B sortie de la tête givrée d'un Tarantino ou Rodriguez. C'est jamais répétitif, toujours plein d'énergie dans l'écriture et on adore ça. Donc si vous êtes amateur du genre et que c'est pas déjà fait, foncez, vous ne le regretterez pas. C'était Benjamin, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau Roco Express, alors abonne-toi !